Le ministère de la Santé procède à la fermeture des cabinets de soins médicaux illégaux, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'exercice illégal des professions de santé et la mise en danger de la santé d'autrui. Signalons tout de même que peu avant l'opération de fermeture débutée ce matin, des actions d'information ont été menées à l'endroit des responsables des formations sanitaires. Rachel Boula. Congolaises et Congolais. Au nom de Madame la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Nicolo, le lancement officiel de l'opération fermeture des formations sanitaires privées illégales sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo débute ce jour, mardi 13 septembre 2016. Près de 400 cabinets médicaux exerçant dans l'illégalité en République du Congo sont concernés par cette opération débutée par les cabinets médicaux implantés dans le 4e arrondissement Mungali. Ici, dans cette clinique, dite clinique du professeur Zou, qui n'est autre qu'un technicien qui se fait passer pour professeur dans notre pays en mettant en danger la vie des Congolais. Partout où nous sommes passés, les responsables de ces structures sanitaires n'ont pas l'autorisation d'exercer dans notre pays. Il s'agit donc là d'un exercice illégal des professions de santé en République du Congo. Et c'est pour ça que nous avons décidé de fermer ces structures. Parce que quand vous allez dans le fond, ils ont des faux papiers qui leur sont délivrés par des escrocs, des Congolais escrocs, qui leur délivrent ces faux papiers qui leur permettent de travailler sur notre territoire. Cette opération va se poursuivre à travers tout le pays.